Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 2 de Roll and Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle. C'est la campagne Oblivion de Pat et Chris, hein, qui nous autorise gentiment à la jouer devant les caméras. On la joue en héros et dragons. Aujourd'hui, notre partenaire du jour, comme depuis la fin de notre financement participatif, notre partenaire du jour, c'est KM. C'est un parc de réalité virtuelle où vous mettez des petites lunettes et vous avez des petites manettes et vous vous affrontez en équipe dans des environnements un peu science-fiction, un peu, je crois, il y a des trucs un peu zombies, toulesques, etc. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, c'est très geek. C'est à. Il y en a deux. Manger des saucisses de Fekette. Oh, je vais y aller. Je si veux seulement. Y aller. Si seulement. On en a deux, on en a un à Mondeville et un à Rouen. Donc voilà, ce sont nos partenaires du jour. N'hésitez pas à aller voir. Je pense que l'expérience doit valoir le détour. T'as pas été ouvrier là-bas, toi? Manouvrier. C'était à Rouen. Manouvrier à Rouen. Manouvrier à Rouen. Parc de réalité virtuelle à Rouen. Comme d'habitude, de toute façon, je vais remercier nos autres partenaires habituels. C'est Sirenscape, le logiciel de mise en ambiance sonore qui nous permet de mettre en son toutes nos parties. Et Dynamic Dungeons qui nous permet d'utiliser ces battle maps animées quand on en a besoin. Si ça c'est pas du sourire, vous allez avoir une petite map là. Ouais, si c'est pas du sourire, je vais en tuer. Dynamic Dungeons. Je sens que je vais en tuer. On va croiser un bon jeu dynamique. Allez hop, 4 size. Et puis n'oubliez pas de mettre des petits pouces hauts, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir une notification chaque fois que nos vidéos sortent. Voilà. Je pensais que c'était le réveil, moi. Mais non! C'est pour ça que t'es en retard tous les matins. Hein. Mais pour ça. Mais je vis avec lui, c'est compliqué. N'oubliez pas d'aller voir sur tous nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Discord. N'oubliez pas d'aller Twitter. Voir la personne que Twitter. Vous devez voir et que vous n'allez pas voir. Que vous remettez toujours à demain. Voilà, n'oubliez ça aussi, pas c'est très important. C'est très important. Ouais. Arrêtez de procrastiner. Ouais. Ouais. Stop à la procrastination. À partir de demain. Mais arrêtez. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et avec le générique. Dans l'épisode précédent, on s'est retrouvé dans le jardin de Sérénité avec Galfrin, Léoen et Ozias. Et là, Sérénité nous a parlé d'un quatrième allié qu'on pouvait retrouver qui s'appelle Schisme, qui est un incarnat. Et elle nous a aussi parlé de Théophras d'Argeline, qui serait aux confins de la cité, après Oblivion, dans les Terres Désolées. Donc après un repos et après le combat qui s'est passé pour nous, on a décidé de prendre une petite gondolfière dirigée par les Méphites. Elles nous ont emmenés aux confins de la cité, et là on a pris un petit chemin pour aller jusqu'au phare et rencontrer Théophras. Nous étions arrêtés alors que vous montiez le chemin qui mène jusqu'au phare. Je vous ai mis une petite carte, hein, histoire de qu'on se replace un petit peu. Vous avez ici la croix blanche qui correspond à l'endroit où on vous a posé avec la petite gondolfière de Sérénité. Ici, tout en haut, nous avons le phare. Et ici, nous avons cette espèce de village un peu bizarre, fait de briques et de broc, avec des morceaux de la cité qui sont un petit peu sortis. Et vous pouvez voir en gris, là, on a ces fameux bâtiments, ces fameux... cette grappe de bâtiments comme ça qui s'étendent un peu entre lesquels poussent ces arbres gris. Et donc vous êtes en train de monter, en fait, le long
le long de la falaise, comme ça, pour arriver jusqu'au phare. Vous, vous trouvez à peu près par ici, au moment où Léoen entend un cri étrange devant. Et où je vous dis... Il y a quelque chose d'étrange. Il y a que elle qui l'a entendu, pardon. Ouais, il y a qu'elle qui l'a entendu. D'accord. Attention, mettez-vous sur regard, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un bruit, il y a un cri. Ben, moi, j'entendais pas. Mettez-vous prêt au combat. Ben, moi, je prends mon bâton de glace. J'ai sorti mon arc. Ouais. Moi, je me dégaine derrière. Pareil, je les laisse en première ligne, je passe un petit peu au même niveau qu'Ozias. Très bien. Arbalète chargée avec un carreau. Et moi, j'ouvre l'œil sacré d'Elmire. Tu ouvres le sacré d'Elmire et tu ne ressens rien de particulier. Pas de mal, pas de fielon, pas de mort-vivant, pas de choses maléfiques. D'accord. Que faites-vous ? Vous êtes sur ce petit chemin, vous avez autour de vous cette forêt un peu bizarre avec ces arbres grisâtres. Est-ce qu'on entend toujours ? Et effectivement, maintenant qu'elle vous a dit de vous arrêter, alors que vous étiez en train de parler, vous entendez ces cris avec ces... On peut se mettre à couvert dans les petits buissons. Ouais, bien sûr. Bah moi, je leur dis de venir et de se mettre à couvert. Et je me mets dans un buisson en attendant. Et moi, je me mets en hauteur. Je monte dans un arbre. Fais-moi un jet d'athlétisme. Mais ceux qui se mettent dans les buissons, faites-moi un jet de discrétion. Ah. Oh là là. D'accord. Mes bottes, je les ai enfilées ou... Oui, bah, tu n'avais pas besoin de les enfiler, elles étaient sur tes pieds déjà. Moi, 13. Moi, je suis pas du tout discrète, j'ai fait 4. 11. Très bien. 11. Bon, discrétion, c'est ça, hein ? Ouais. 4 plus 10, 14, plus ça. C'est pas l'avantage, ça ? Tant que vous portez ces bottes. C'est quoi tes bottes ? Vous obtenez aussi l'avantage sur le test de dextérité discrétion. Donc tu peux relancer ton D20. Ah, allez. C'est quoi l'avantage ? Je relance. Je fais 2G. Bon, 7. Plus 10, 17 quand même. C'est mieux. Moi, 7 et 0, 7. Très bien. Vous planquez. Toi, t'as fait combien, aussi ? 13. 13. Vous vous planquez. Moi, j'envoie image silencieuse, c'est-à-dire que là où on était sur le chemin, ouais. J'envoie une image. Ok. J'envoie l'image d'un humain, posté au milieu du chemin. Très bien. Alors, vous planquez tous les deux, vous arrivez à vous dissimuler, vous trouvez un arbuste, un buisson dans lequel en plus vous êtes petit, donc c'est assez simple. Vous arrivez à trouver un truc à votre taille pour rentrer dedans et voilà. Tous les deux. Moi j'arrive à monter. Tous les deux. Je gère les choses les unes après les autres. Excuse-moi, tous les deux, vous jetez sur le bord de la route. Ilsa, effectivement, tu lances ton image d'un humain qui apparaît sur le chemin. Mais vous faites un boucan pas possible. vous écrasez l'arbuste dans lequel, derrière lequel vous vouliez vous planquer. En fait, vous finissez par l'écraser. Il va se pencher. Enfin, tout en finesse. Bon, c'est pas. Vous arrivez à trouver une planque, mais ça a quand même pas l'air d'être. Je pense qu'il doit y avoir la tête d'Ilzar qui dépasse avec les épaules qui dépassent. Mais dans la précipitation là, en chutant comme ça, est-ce qu'à un moment elle se retrouve dans mes bras ou pas? Est-ce qu'à un moment on se prend les pieds dans la rue? Jette-moi un D10. Allez, jette-moi un petit D10. T'as 5 chances sur 10 que ça va. 5. Eh ben elle se retrouve dans tes bras. Attends. Décris ton action. On tombe. Donc on bascule et là Darkness se retrouve dans mes bras comme ça. Ah mais carrément, ouais, en tango ça. Quoi. Ouais, en tango. Mais je peux pas le faire là. Excuse-moi Darkness, je crois que je me suis pris les pieds dans l'arbuste. Vaut mieux pas parler dans ces moments-là. Tu sens très très bon, tu sais, quand t'as peur. Merci, Ilzar. Est-ce que tu peux enlever ta main, s'il te plaît, là ? Oui, celle-là. Et vous entendez toujours le... Il s'en fout, Pendant que vous assistez à ce spectacle assez étrange... Toi, d'en haut, effectivement, t'es en train de grimper, puis tout à coup, tu entends un peu le bruit en bas, puis tu regardes et tu vois Ilzar avec... Bah, du coup, Bartna moi, dans en les fait, bras. Dans un élan, du coup, je l'embrasse. Alors, ce qui se passe, oh, c'est qu'on regarde dans la direction du bruit qui arrive, et avec Ozias, au moment où on voit ça, en fait, moi, ça me fait sursauter,
J'ai hop et j'ai le carreau d'arbalète qui part tout seul. Et juste à côté de vous, dans le tronc, il y a son carreau d'arbalète qui se plante. Alors d'accord. Et moi je vois ça. Toi tu ouais il sursaute. Oh. Toi tu assistes à la scène. C'est un petit peu surréaliste. Qu'est-ce qui arrive, les gars ? T'as un autre cœur, t'as envie de vomir. Et puis tu regardes dans la direction dans laquelle il a tiré, du coup. Et là, tu vois le chemin un petit peu plus loin et tu vois une espèce d'énorme bête avec une tête, c'est un peu difficile, on dirait un bec géant en fait, un truc un peu conique, assez massive, c'est un peu la taille d'un rhinocéros. Qui, complètement noir, qui est en train d'essayer d'attaquer des êtres ressemblant à des gros gobelins ou un truc comme ça, mais gros taille humaine quoi, et revêtus d'une fourrure noire qui eux semblent essayer de tuer la bestiole. En question. Ok. Alors, moi, je me retourne, je me dis hé, hey, mettez-vous en place. Il y a des gobelins. C'est sur eux qu'il va falloir attaquer. Voilà ce que je leur dis. Bon, je... Nous, on n'a pas vu la bête. Vous n'avez pas vu, non, vous ne voyez pas ça. Ouais. Vous êtes restés sur le chemin, donc il y a l'illusion sur le chemin. Il y a elle en haut, il y a vous dans les buissons. Voilà. Et vous entendez ça. Quand j'entends Léoen, du coup, ça me fait décrocher. Et du coup, j'ai pas trop le temps de réfléchir, je suis un peu mal à l'aise. Hein. Je pense que du coup, elle rougit un peu, même si on voit pas trop avec sa peau verte. Et du coup, je pars dans autre chose et je me prépare pour autre chose. Voilà, je décroche de... Les autres. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait Guy Marchand qui allait débarquer en disant « Destiné Attention, royalties, attention, royalties. Il y a quand même des choses très bien dans la discothèque de Mickaël, rassurez-vous. J'avais quelques pétales de rose dans ma poche et j'ai lâché dessus pour que ça leur tombe dessus. C'est comme dans les films d'action, ils s'embrassent mais ils se disent rien et hop, ouais. Et c'est... Donc, mais que faites-vous ? Donc nous, on a pas du tout vu la créature. Elle nous dit qu'il y a des gobelins. On est toujours derrière les bosquets. Que fais-tu ? Moi, je vois si je peux pas aller continuer à monter, parce que ça continue de monter. Ouais, ça continue de monter. Si je peux pas monter légèrement en restant derrière les bosquets. Fais-moi un jeu de discrétion, s'il te plaît. Ouais, voilà. Bah oui, voilà. Bah oui, mais bon, il faut faire des choses au lieu de s'embrasser dans les bosquets. C'est un... Ouais. Oh non, mais beau, tu vas te faire piétiner. Ça fait 5. 5. Et là, ton manteau s'éclaire. Donc, non, en fait, tu grimpes. Ouais. Tu continues à grimper. Tu tombes sur cette zone, cette jolie petite zone. Tout ça. Alors... C'est tout ça, c'est en gros. Tout ça. Je tombe sur... Mais c'est toi, dégagé, tu arrives... En fait, tu arrives par ici. Et tu aperçois une créature actuellement ici. Cette fameuse créature au corps hein, assez long, assez mastoc, ouais. Qui est aux prises. Hein. C'est pas très très beau, non. Pas joli, joli, pas les très, gars. Très beau. Tu l'as décrit comment la créature ? Elle est noire, c'est ça ? Mais elle est noire, ouais. Elle est noire ? Elle est complètement noire. Et elle ressemble à un rhinocéros ? Elle a la taille d'un rhinocéros, que vous voyez là. Voilà. Ouais. Voilà. Elle a une tête un peu oblongue, on y a une espèce de bec comme ça. Voilà, ok. Voilà. Et elle est noire. Et elle est complètement noire. Donc moi, hop. Moi je vois ça. Mais attends, toi, tu ne vois pas que ça. Ah. On dirait les chiens, un prédateur. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. En plus gros. Hop, tu as... Hop. 3... C'est des géants. Hop. Non, c'est des... ils ont la taille d'un être humain. D'accord. Oui, par rapport à toi, c'est des géants. Ils sont grands pour moi. Ils ont la taille d'un être humain, ils sont en train de regarder le spectacle. Paf, paf, paf. Et ce sera tout. C'est tout ce que tu vois pour le moment. D'accord. Que fais-tu ? Donc moi, je me mets à couvert, quoi. J'attends de voir ce qui se passe parce que je sais pas qui sont eux, qui sont les trois gobelins, cette créature, ouais. si elle est vraiment méchante ou pas. Enfin, si elle est hostile, quoi. Donc pour l'instant,
je me... En fait, c'est pas, tu t'aperçois que c'est pas vraiment des gobelins, mais c'est vrai qu'ils ont une tête un peu goblinoïde, on dirait, mais ils ont la taille d'un être humain, quoi. Et là, en fait, ils sont en train... Ils sont en train de se battre avec cette créature, ce que je décrivais à Léouen. Mais d'accord, mais donc je sais pas qui est problématique. Tu ne sais absolument pas, je sais pas qui est qui. Et ouais. Qui. Par contre, je vais tous vous demander un jet d'initiative à partir de maintenant. Oh là là, allez, dites-moi. 13. Eh ben... 11 et 4, 15 pour moi. 12. 12 pour Léo. 6 pour Ozias. On est sur un bon petit 1. Oh là là. Vous me faites 1 sur... Tu peux pas avoir que 1. On peut faire 1 une fois, mais on peut pas faire 1 1000 fois. Si, si. Alors, c'est pas grave, là, il est bien placé, le 1. Ouais, je sais. C'est pas si bien. Oui, c'est après que les grosses corps. Hop là, je vais quand même faire leur initiative à eux. On est loin quand même. Bah, nous, je sais pas où on est en fait. Donc. Ah Vous êtes légèrement en contre. Ils sont légèrement en contrebas par rapport à moi, c'est ça? Moi, non, je suis monté. Non, toi, ils sont pas en contrebas, toi, t'es encore en contrebas. Eux, ça continue à monter. Non, je parlais de mes camarades. Ah, tes camarades. Moi, en fait, oui, il y a eux. Oui. Moi, je suis légèrement là, et en fait, eux, ils sont tout en dessous. Tout à fait. Oui. Ouais, voilà, nous, c'est ça. Derrière, moi, je suis à côté de Ozias. Bah, moi, je me suis un peu, ouais. Il est monté un petit peu. Je suis monté un petit peu, en fait. Bon, je suis un petit peu derrière. Je suis un petit peu derrière. Ok. Alors. Donc, ce qui se passe, toi, tu viens d'arriver. Ouais. Tu vois la créature qui essaye en fait de mordre un des quatre là. Ouais. Sa gueule assez énorme. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand tu la vois ouvrir sa gueule, en fait, t'as vraiment l'impression que tout le dessus de sa tête sont des plaques dur, presque des plaques métalliques, wow. qui s'entrechoquent et qui grincent les unes sur les autres. Fort heureusement pour celui qu'elle a essayé de mordre, il réussit à esquiver la morsure en faisant un pas en arrière. Okay. Il va essayer de la frapper, mais ça fait ting sur son sur sa carapace. Ouais. C'est du métal. Hein. On dirait du métal. Et en fait, les trois qui sont ici, tout à coup, disparaissent. Ils vont se diriger dans ce sens-là. Et ils se dirigent dans ce sens-là, si tu regardes. Et pardon, ils sont smashés. Ils se dirigent là-bas. Hop, c'est parti. Ils étaient là, ouais. Ils ont fait ça, et tu ne les vois plus. Ils sont sortis ou c'est ambiance magique genre... Non, ils ne les voient plus parce qu'il y a des arbres devant. Ah, d'accord. Ils sont cachés. Ils ne les voient plus. D'accord. Et de ma hauteur, je vois quelque chose, moi? Toi, tu assistes juste à ça. D'accord. Galfrine, que fais-tu? Eh bien, ce que je fais, c'est que je rejoins Léon dans son arbre. Ouais. Je grimpe jusqu'à côté d'elle. Et je m'adresse à elle et je fais « Alors, Léoen, est-ce que tu as pu comprendre ce qui se passait sur dans cette situation ? Qui est l'agresseur ?» J'aurais le droit de répondre, du coup. Tu répondras à ton tour. Alors que... Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Ozzy. Oui. 15 et 2, 17. Alors que, tout à coup, sortant du bois, ouais. Tu vois deux petites créatures, d'espèces de grosses punaises géantes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui se dirigent vers toi, qui arrivent au contact. Mais non. Là, si. Et qui, toutes les deux, te sautent dessus. Tu as combien en classe d'armure ? 11. 11, eh bien, les deux te touchent. Dans l'image. Les deux te touchent. T'es surpris par leur arrivée. Moi, je regardais ce qui se passait. Exactement. Du coup, tu les as quand même vus arriver, mais pas assez vite pour éviter leur coup. D'accord. Et tu subis avec la première morsure, la première va te mordre la jambe avec des mandibules acérées, t'infligeant 4 points de dégâts, et la deuxième
te saute sur le bras, t'infligeant 5 points de dégâts. Les 5 et 4 punaises, elles sont pas en... Par contre, elles sont pas noires, elles sont... Elles sont pas noires, elles sont de cette couleur-là. Ah, je vais les démarrer. Le truc noir qu'on a là, c'est... C'est une zone noire. C'est une zone de vide qu'il va falloir sauter. Une zone de... Ah, de vide. Ah, c'est du vide. Ouais. C'est un trou. Voilà. Enfin, c'est un trou, quoi. Très bien. Et le chemin, il passe entre des falaises? Mais comme je te dis, le chemin, mais il en fait ça. Ça, c'est la falaise. Oui, mais sur les côtés, c'est des falaises? T'as des arbres, là, t'as des arbres, ici, et puis t'as un peu de rochers par là. Ouais, d'accord, c'est des rochers, mais c'est pas de la falaise. Non, c'est des rochers. D'accord, ok. Ouais, tu vois, c'est un petit peu la garrigue. Donc, ceux qui étaient là, en fait, ils étaient... S'ils avançaient pas, c'est parce qu'ils étaient bloqués par le trou. Peut-être. Bon, et donc, ils sont toujours... On les a pas revus encore pour l'instant. Oui. Darkna, que fais-tu? Je suis où, moi? Je suis en contrebas. Toi, t'es en contrebas encore. Je vois les punaises, du coup, qui non, attaquent... Non, tu ne vois pas, ah, tu vois pas Ozias. Non, moi, je suis au-dessus, en fait. Je suis légèrement au-dessus. Ah, il s'est vraiment déplacé, donc là, tu entends... Tu l'as peut-être entendu gueuler un coup quand il s'est pris... quand il s'est fait mordre par les bestioles, mais c'est tout. Ah, bah, du coup, je cours pour remonter jusqu'à lui. Ok. Check. Au corps à corps ou pas au corps à corps? Pas tout à fait, non, au corps à corps. Là? Ouais, je vois pas. Ici, tu doutes. Ozzy est là? Ouais, bah là, voilà. Là? Ouais. Ok. Très bien. Tu cours, ça prend ton action. Bah oui. Je peux rien faire d'autre. Donc, bon, tu ne peux rien faire d'autre. Léouen. Donc, moi, de mon arbre, je vois les punaises qui attaquent. Oui. Donc, je fais. Genre, attends deux secondes, je te réponds. Et du coup, je prends mon arc et je tire. Sur les punaises, qui sont sur Ozias. Elles sont sur moi. Ton attaque. Alors, je tire avec, avec ma flèche en réaction, donc pour doubler mes flèches. Avec des avantages, s'il te plaît. Ah bon? Oui, tu es en train de t'accrocher à un arbre et t'essayes de tirer avec ton arc, c'est un petit peu compliqué. Comment il est? Ouais. Et j'ai deux attaques, donc ça fait que... Ouais. Alors, première attaque... T'es pas obligé de faire première attaque avec des avantages, 18 et 6. Mais 6 plus... 6 plus 9. 17. 6 plus 10. 16. 6 plus 10, pardon, 16. Ouais, ça touche. Donc première attaque avec mes deux flèches, là. Bah t'en as une qui touche et une qui touche pas. Une qui touche, oui, c'est bon. Ah, ça c'est ma première attaque. Ma première attaque, ouais. Ma première attaque, j'ai deux flèches. Deux flèches. Donc je fais mes dégâts tout de suite. Alors attends, mes deux flèches, donc... 2d8. 2d8. Le premier a plus 3, le deuxième n'a pas plus 3. Hein. C'est ça. 4 et 4, 8 et 3, 11. Ta flèche va se planter dans la punaise qui émet un cri strident, extrêmement désagréable. Une espèce de sang verdâtre commence à en couler, mais elle n'est pas morte. Bon, alors je fais une deuxième attaque, ma deuxième attaque sur la même. Toujours avec des avantages. Eh ben, 3 plus 10, 13. Ça ne passe pas, ta flèche va se planter à côté. T'as peur, hein? Ouais, bah complètement. Ouais. Attends, j'en ai déjà utilisé 3. Elle a accroché un arbre, elle envoie des flèches. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que je suis comme ça. T'es en danger. Attention à tes omoplates. Ouais. C'est surtout ça. À côté de ça... Qu'est-ce que... Non. Va pas faire ça. Ozias, à toi. Ouais, elles sont sur moi, agrippées. Non, elles t'ont lâché, mais elles t'ont mordu. D'accord. J'utilise un point de... mon sort jumeau pour doubler mon trait de feu. Ouais. Et envoyer mon trait de feu sur les deux. Fais tes jets d'attaque. Umlilo. Avec des avantages, parce que tu es au corps à corps. Donc je fais deux fois et tu prends 2d20 pour chaque trait. Du coup. C'est ça. Et tu prends le moins bon. Ouf. Alors il y avait un. Ouais mais bon, il y avait un 20, mais là c'est un 18 plus 6. Ça touche. Ouais, tiens, donc le premier il part. Ouais. Et j'ai un 8 plus 6, ça fait 14. Par rapport à un 11. Ça touche. Donc les deux touches, Quessum Lilo. C'est 14 en tout, c'est ton pire. Plus, oui, ouais, oui, 8 et 6, puisque j'ai mon donc attaque. Les deux touches. Mon attaque magique. Jette-moi un des 20, s'il te plaît. On est toujours en oblivion. Oh. Bah oui.
Bah oui. Mais il a la méduse, hein. Allez, garçon. Oui. Tout à fait. 10. Ok, ça part. Je fais mes dégâts. C'est donc... moyenne. Un trait de feu, c'est 2d10 par trait de feu. Donc je fais pour le premier. Ouais. Ah bah super, ça fait 5 pour le premier. Sur la, donc c'est celle, la première, hein, qui était... Ouais, Sur toi. Ouais, qui a été touchée... Léwen. Bah c'était la première, c'est la première qu'il y avait. Oui, oui. Et voilà. Et donc, 5. Et l'autre, ça fait 8 et 1, 9. Ok. Tu vas toucher les deux créatures qui, effectivement, reculent très légèrement, pas suffisamment pour te laisser tranquille, mais tu sens que ton sort a commencé à cramer un petit peu leur carapace et que t'as créé un début d'ouverture. Mais ni l'une ni l'autre ne sont mortes. Par contre, au moment où tu lances ton sort, évidemment, quelque chose se passe. Alors, c'est la même chose, petit effet secondaire, mais juste autour de toi, des petites lumières dansantes commencent à t'entourer et à partir et à tourner autour de toi. Et on te voit. Et là, on te voit. On me voit beaucoup. Ah ouais, on te voit. Évidemment, on ne peut pas te louper. Tout le monde te voit. Exactement. Ilzar, à toi. Je me précipite, enfin je cours aussi en direction d'Ozias. Ok. J'ai besoin de courir ou pas? Oui, t'as besoin de courir. Alors je cours en direction d'Ozias. Et quand j'arrive, je vois ce qui se passe? Tout à fait. Et je dis juste à Darkna, Ozias, pensez à les enchevêtrer. Où est-ce que tu te places? Plutôt vers Darkna ou de l'autre côté? De l'autre côté. Ok. Très bien. Au moment où tu arrives et tu dis ça, tu vois que la créature tourne la tête légèrement et d'un bond... passe de l'autre côté et tu ne la vois plus. Waouh. Non. Hop, il y a de la forêt où vous êtes placé, vous ne voyez pas. Mais vous l'avez juste vu faire. Et même et on est d'accord que eux n'ont pas vu les trois gars qui se sont carapatés là tout à l'heure. Non, ils les ont pas vus. Il n'y a que moi qui les ai vus ceux-là. OK. Tout à fait. Et du coup les fameux trois gars qui s'étaient carapatés se mettent à hurler et charge notre ami Ilzar. Ah oui, d'accord, ok. L'entourant. Ah, c'est eux qui s'étaient cachés et ils ressortent là. Tu les vois en train de baver. Ils ont un regard vide en fait, comme s'ils étaient un peu. Ils n'étaient pas là. Et tu vois sur leur cou des espèces de branchies qui parcourent comme ça, qui lacèrent leur cou. C'est assez bizarre, ils ont une peau visqueuse. Maintenant que tu les as de près, ils ont les cheveux visqueux aussi, ils ont des yeux globuleux. C'est assez étrange, mais ils ont décidé de t'attaquer. C'est pas grave, je le récupérerai tout à l'heure, j'en ai d'autres. Et je jette 5 des 20. Et je jette 5 des 20. Non, sans déconner. Non, je déconne pas. Non. Il y en a deux qui ont l'avantage. Parce qu'ils ont un pouvoir spécial qui leur permet d'avoir l'avantage. Le premier te touche. Le second te touche. Et t'as arrêté de mourir. Le troisième, lui, te rate complètement. Tu réussis à repousser sa lame avec Nocturno. Ouais. Tac. Et les deux premiers, par contre, te touchent avec. Alors, ils sont armés d'une espèce de. Ouais, d'une Morgenstern. Tu vois ce que c'est? C'est une arme contondante avec une tête un peu en étoile. Et t'inflige chacun 5 et 6 points de dégâts. 5 et 6. Ils sont en train de hurler, de s'acharner. Ils ne semblent absolument pas faire attention à leur environnement.
Galfrin, que fais-tu? J'ai une vue sur Ilzar. Je vois ce qui se passe dans mon arbre. Oui. Donc là, je vois ça et je commence incantation de... Attends, parce que là, la carte n'existe pas. Grèce. Donc, je commence et... sous tes pieds, le sol se dérobe, glisse, graisse de porc. Et, ouais. Et j'envoie ce tour. D'accord. Au niveau des attaquants qui se trouvent près d'Ilzar. Ok. Les attaquants qui se trouvent près d'Ilzar, qui font leur jet de sauvegarde, les trois se retrouvent à terre. Punch, punch. Et glisse lamentablement, alors que effectivement ta graisse s'étend autour. Ouais. Fais-moi un jet de D20 quand même, s'il te plaît, Mika. Un jet de D20. Ouais. 11. Ah, c'est bien un jet de D20 de quoi? C'est un jet de D20 pur. Pur. Ensuite, moi, je rajoute ce qu'il y a à rajouter dessus, mais c'est un jet de D20 pur. Du coup. Ouais, c'était à tenter quand même. Ça me coûte un point de sorcellerie, ça. Ouais. Non, mais c'est bien, tu les as... Bon, je suis honnête et je tiens à préciser à mon MJ que moi, je n'ai pas ma méduse. Hein. Je sais. Je sais, tu m'as dit que tu m'as pas dit que tu l'avais mise. J'ai pensé après avoir jeté le sort. Ouais, c'est bien. Mais tu l'as pas mis au moment de là. Non, je suis le seul à pas l'avoir mise. Toi, tu l'avais? Oui, on l'avait tous mis. Oui, on l'avait. Là, Et du coup, au moment où tu lances ton sort, tu vois débarquer, vous voyez débarquer des fourrés, un ours qui sort et qui est dressé sur ses pattes et retombe à terre. Les petites créatures sur notre ami Ozias tentent de l'attaquer. Bah ouais, hein, puisqu'elles sont hargneuses. Il y en a une qui réussit à te toucher. Tu t'es un peu repris. Tu donnes un petit coup de pied dans l'autre pour la repousser. Mais il y en a une qui en profite. Flac ! Qui t'en serre avec ses mandibules. Ouais. Elles sont tranchantes, hein, ces mandibules. Elles font mal. Elles font 8 points de dégâts, là. Mince. Je cherche ta petite bête, mais j'ai pas d'effet secondaire sur le fait d'avoir utilisé ma magie. J'ai de la chance. T'as fait ton D20. Ah d'accord, ok. Super. Donc les deux... Ça se trouve, c'est toi qui as fait apparaître l'ours. Et... Ah oui. Darkna, que fais-tu? Je ne sais pas trop. Je vais utiliser mon bâton. Je vais prendre mon bâton, le taper au sol, il va y avoir un éclair de foudre qui va monter au ciel et je vais lancer appel de la foudre sur ce truc-là. Lequel? Celui-là, là? Voilà. L'ours, très bien. Donc appel de la foudre, hein, c'est au début à la fin de son tour, c'est ça? Donc on essaye de le rétablir, le truc. Oui, c'est ça, avec un jet de sauvegarde de dextérité pour la... Ok, mais ça, je veux dire, c'est à la fin de son tour. Oui. Ok. Très bien. Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes en place? Est-ce que tu peux te déplacer aussi? Je me déplace juste un peu là, je m'écarte des... Tu t'écartes là? Ouais, voilà. Ouais. Ok. Léowen, à toi. Que fais-tu? Je suis dans un gros dilemme. Attends, fais voir le sort. Fais voir le sort. Il prend les dégâts, l'ours, là. Ouais. Je crois qu'en fait, il prend tout de suite les dégâts. Consultation, on se consulte. C'est le deuxième paragraphe. C'est pas à la fin. Non, c'est ensuite, d'accord. Ah. C'est après. Non, mais c'est important de se le garder aussi en tête, c'est-à-dire qu'ensuite, ça reste sur ta zone. Ensuite, oui, chaque fin de tour, les créatures... Fais tes dégâts, du coup. Je fais mes dégâts. Ouais, fais tes dégâts. C'est des D10. 3D10. Ouais. Allez. Plus 9, 18, 18 plus 5. 23. Ah. L'éclair frappe 22. L'ours, en fait, 23. Il frappe 20. Le sol. 23. Et l'ours disparaît.
Okay. Et l'ours disparaît. Ah, c'était ça ton... Bah oui. C'était une illusion. C'est ce qui me semblait. Ok. Très bien. Bravo, alors du coup, moi je suis toujours dans mon arbre. Je suis un peu ouais. Les deux punaises, elles sont toujours sur lui. Oui, toujours. Eh ben, écoute, je tente ma première attaque sur. Il n'y en a aucune des deux qui est morte. Hein. Non. Eh ben, j'attaque celle qui est le plus abîmée. Avec des avantages. Toujours des avantages. Oh, double 3. Double 3. Ça fait rien, ça c'est pas ça un peu de combinaison gagnante. Pour la première attaque. Ta flèche vient se planter à côté. Flèches viennent se planter à côté. Mais j'ai pas dit, j'ai pas dit ma réaction. J'ai pas dit ma réaction. Donc sur ma deuxième attaque, je fais ma réaction. Je lance ma double flèche. Est-ce que tu essayes pas de m'arnaquer un petit peu? Non, je l'ai pas dit. C'est véridique, je l'ai pas dit. Vous verrez quand on regardera là. Oh, bah voilà, pareil. Là j'ai fait 13. Pareil. Donc là, les deux flèches, j'en ai... Je vois. C'est énorme, c'est ça, toi, tu vois des flèches qui... T'es... Quoi? Tout va bien. La poisse. Et... Tout à coup, alors que vous êtes... c'est sur une zone de combien, ça? 6 mètres. C'est quoi ce fond? 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Ilzar et Ozzy, alors que vous êtes au corps à corps avec ces créatures, tout à coup vous voyez des lianes qui commencent à monter du sol, qui commencent à s'emmêler autour de vos pieds et de vos jambes. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. Ouais. Okay. Allez, garçon, on y va. Hein. Aura de protection. Quand vous ou une créature amicale qui se trouve dans un rayon de 3 mètres doit faire un jet de sauvegarde, cette créature gagne un bonus à son jet de sauvegarde égal à votre modificateur de charisme. Donc 2. Voilà. Le 3 mètres, t'es à 3 mètres de moi, mon bibi? Non, il est plus loin. Je suis plus loin. Et toi, de toute façon, ça m'aurait pas aidé puisque j'ai fait 4. Tu as fait 4, très bien. Sauvegarde de force, 14 plus 5, 19. Bravo. Toi, sans aucun problème, tu arraches les lianes qui commencent à grimper autour de toi. Par contre, tu vois que sur tout le terrain autour, les lianes commencent à bouger un petit peu dans tous les sens. Tu sens que ça va être difficile de te déplacer sur cette zone-là. Toi, par contre, tu te laisses complètement avoir. Tes jambes sont complètement prises. Tu es donc désormais entravé. Ta vitesse est à 0. Les attaques contre toi ont un avantage, tes attaques ont un désavantage et tes jets de sauvegarde de dextérité aussi. Mais oui. Et donc quand est-ce que je meurs alors? Et tu es mort. Et tu meurs lentement en souffrance. Et c'est à Ozias. C'est sur quelle zone qui a ces... C'est ce carré-là, là. D'accord. Non mais d'accord, voilà. Bien sûr. Je pense que je vais faire ça. Combien de cases? 6 mètres. 6 mètres. Donc c'est 4 cases, quoi. 4 cases. Toi, t'es limitrophe. En fait, il a visé la zone pour que vous soyez tous les deux limitrophes. D'accord, donc je fais une case et le... Et toi, t'es en dehors. Ouais. Il a visé, on ne sait pas qui a envoyé ce sort pour l'instant. On ne savait pas qui a envoyé ce sort. D'accord, très bien. C'est un sort, donc c'est forcément quelqu'un. Oui, oui, oui. Voilà. Ozias, que fais-tu? Est-ce que mon sort de vol peut être utilisé là ou pas? Ou est-ce que je suis complètement... Nope. Vitesse 0. Vitesse 0. Donc, vu que la magie ça craint et que là je peux... Voilà, c'est un peu tendu d'utiliser ça. Parce que j'ai un désavantage en plus. T'as un désavantage sur tes attaques, t'as un avantage sur... ils ont un avantage contre toi pour te frapper. C'est super ça. Ouais. Qui ça, les petits bonhommes là ou bah, toute personne qui l'attaque a un avantage sur lui pour l'attaquer. Bah, j'essaye sur mon sort de graisse. Même sur ton sort de graisse. Ils ont pas. Mais ton sort de graisse, il est là, il est pas autour de lui. J'appelle Ilzar en disant Ilzar, aide-moi. Et j'essaye moi de sortir ma dague et de couper les lianes. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît, avec des avantages. Bien sûr. Et 19, donc 16, et bah ça fait 16. Ok, tu commences à couper les lianes, tu sens que tu arrives à sortir plus ou moins, il faudra encore un petit round pour arriver à couper tout D'accord. ça, parce qu'il y en a d'autres qui poussent et il va falloir t'en sortir. Mais à chaque fois, il y a un truc qui... C'est un peu ça, ouais. Ilzar, que fais-tu? Je me désengage.
tu te désengages. Les créatures sont au sol, j'ai besoin de me désengager ou pas? Elles sont plus vulnérables normalement. Oui, elles sont plus vulnérables, mais est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas d'attaque de... Moi, normalement, j'ai un avantage contre elles. Si elles sont au sol, je crois pas, un jeu. Elles ont un désavantage contre moi. Elles ont glissé, elles sont par terre. Ouais, mais ça les rend pas incapables. La graisse, ça donne un avantage. Oui, mais ça les rend pas incapables d'agir. D'accord. Oui, c'est vrai que lui, c'est le même recul. Ça permet quand même, je sais pas, imagine, tu vois, elle peut mettre un coup. Parce qu'elle doit faire un jet de dextérité. Oui, tout à fait. Pour savoir si elles arrivent à se relever ou pas. Exactement. Mais quand t'es à terre, tu peux attaquer quand même, tu vois. C'est pour ça. Oui, comme ça, tu fais comme. Ah oui, c'est exactement. Tu pourrais très bien avoir ton arbalète et tu vois. Non, oui, si, ils peuvent, t'es obligé de te désengager. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, t'es obligé. Donc, je me désengage. Ok. Je me désengage et j'avance dans la direction du de la bête noire. D'accord, Ah oui, d'accord, ok. Donc, t'es obligé de te désengager là, et t'es obligé de faire le tour, du coup. Et je suis obligé de faire le tour et des entraves. Attends, t'as une vitesse de 9 mètres? J'ai une vitesse de 9 mètres, 6 cases. 4, 5, 6. Et... Il a envie de titiller le tout gros truc noir, là. Et je crie en direction de Darkna, entravelé, et en direction de la bête, nous venons voir Théophras d'Argeline. Ok. Entravelé. Très bien. Quel est son déplacement à cette petite bestiole? Petite bestiole. Elle fonce sur Kizar, elle ouvre la gueule comme ça. Et elle le gobe. 7-8. La bête se rapproche à toute allure. Mais, à toute allure, non, pas en courant, pas en se précipitant, mais elle se rapproche de toi. Tu vois les fourrés qui... elle écarte les fourrés, elle les écrase, enfin, c'est... Et t'entends encore cette espèce de cri un peu, un peu strident, bizarre, que t'avais entendu. Est-ce que je vois si elle a des yeux d'ambre? Elle n'a pas d'yeux d'ambre. Elle a pas de quoi, de quoi? Elle a pas les yeux d'ambre. Les yeux d'ambre. Je te le dis, elle a pas de... Les trois se relèvent. Ouais. Puisqu'ils ont réussi leur jet de sauvegarde de dextérité. Les trois? Ouais, les trois ont réussi. Ils se sont aidés les uns les autres. Ils ont bien fait. Ça marche qu'une fois, la graisse. Alors s'ils bougent, ils peuvent pas glisser. Bah, ils ont réussi leur jet de sauvegarde de dextérité, donc ils peuvent bouger. Sinon, ils auraient continué à être à terre. Et puis là, on a fait combien? On a fait deux tours depuis que j'ai lancé? C'est deuxième tour. Deuxième tour, ça dure une minute. Hein. Ouais. Ah oui, à chaque tour, toi, tu lances un... Donc, ils sont dans la zone. Ouais. À chaque tour, il faut qu'ils fassent un jet de sauvegarde de dextérité pour pas se péter la gueule. D'accord. Et les trois se précipitent sur Ilzar, sortant de la zone de graisse. Mais ça leur a pas pris leur action de se relever? Absolument pas, ça prend la moitié de ton déplacement de te relever. Ah, mais c'est ce que vient de te dire. Eh oui. Et alors, tu vois les deux, t'en vois deux qui se précipitent sur toi, toujours avec la bave. Olève, le troisième, semble prendre un tout petit peu plus son temps. Il a une hache et il se met à courir vers toi en hurlant, comme s'il abandonnait toute idée de défense pour essayer de te frapper. C'est joli. Si. Mais non. Lui obtient un 20 naturel. Il a fait le français, je te dis. Le deuxième loupe et le troisième. Le troisième te loupe aussi complètement, déstabilisé par la graisse dont ils essayent de se débarrasser. J'utilise mon don d'armure lourde. Ouais. Et par contre, celui à la hache se précipite vers toi. Il abat sa hache puissante sur toi. Tu arrives à placer ton armure de manière à réduire les dégâts. Tu prends... Ça fait 15 divisé par 2, ça fait 7 points de dégâts. Il a abandonné toute. Bah, apparemment, il y est allé à... Enfin, tu sais, son but était de frapper. Je peux utiliser quelque chose en réaction ou pas? Absolument pas.
Galfrin, que fais-tu? J'ai d'autres questions. Eh bien, moi, ce que Non, il faudrait qu'il sorte de ta zone. Je suis ça, toujours... Ça veut dire qu'il y aura une conséquence quand si jamais tu le frappes. En fait, et au bout du compte, si j'ai utilisé expert en armes. Bah oui, en plus. Non, peut-être pas. Et, ah oui. Donc moi, je suis toujours dans mon arbre avec, ouais. avec Léoen. Est-ce que je suis à distance... À quelle distance je suis de ces trois compères là qui ont attaqué Ilzar? Vous êtes à... C'est un peu loin, là. C'est-à-dire que je suis là, en fait? Non, non, t'es là. T'es là. Ah ouais, je suis super loin, en fait. Oui, vous êtes loin. Vous avez besoin, pour vous rendre sur place, arriver en limitrophe, vous avez besoin de votre action, enfin, de votre action et un déplacement en plus. D'accord. Eh bien, carreau d'arbalète, je vise un des assaillants d'Ilzar. Ok. Donc là, on est d'accord que je peux utiliser mon attaque sournoise, tant que je suis à distance et que personne ne me voit. Tout à fait, monsieur. Très bien, très bien. Donc, je jette mon D20 avec arbalète de poing. Donc, nous sommes sur un 17 plus 7. Ça passe. Joli. Nous avons donc derrière un D6 plus 4 sur l'arbalète de poing. Nous avons donc un 4 et donc 4 et 4, 8. Doublé sur, évidemment... attaque sournoise. C'est 3d6 non, et qui est 3d6. On va remettre un autre. Zigouzé. 5 plus tête de dragon. 6. 6. 5 plus tête de dragon. Plus 3. Ok. Tu envoies ton carreau d'arbalète. 7, 6, 5, 3. Filer et se ficher. Dans la tête oui. de l'un des assaillants. Allez là. Il s'écroule au sol. Ok. Ça joli, Mika. Fais le ménage. Est-ce que tu bouges ou est-ce que tu restes dans ton arbre? J'ai droit à l'action bonus? Mais bien sûr. Oui, oui. Alors. T'as droit à ton mouvement et à ton action bonus. T'as droit aux deux. Est-ce qu'en action bonus, j'ai le droit de tirer encore? Non. Tu sais très bien que ce n'est pas une deuxième attaque, l'action bonus. À moins que tu utilises tes faux. Ah! Eh oui! Ah, t'es faux! Utilise tes faux! Mais oui, mais utilise pourquoi tu n'utilises pas ces armes? Parce que de la distance où je suis, pour les rappeler, il faut que j'utilise un truc de sort pour les faire. Mais c'est pas grave, tu vas, tu te déplaces. Ouais, mais il y a un récupérer. Truc que j'aimerais bien me faire là. D'accord. Très bien! C'est bon! Est-ce que tu bouges ou est-ce que tu bouges pas? Oh putain, pardon, le grand bruit. Est-ce que je bouge ou est-ce que je bouge pas? J'ai pas le droit d'attaquer, action bonus. Bah non. Allez, j'envoie une faucille. Mais il fallait que tu utilises tes faucilles pour envoyer une faucille en action bonus. Bah elles sont derrière quoi, j'ai juste à faire ça. Non, mais c'est-à-dire que si tu utilises ton arbalète, t'envoies pas ta faucille. Ah, raté. C'est, si tu envoies ta première... Pouf, ça, tac, clac. Non, ah. cette arme ne te permet de le faire que si tu envoies une première faucille. Jette un caillou. En fait, si tu envoies ta première faucille et tu envoies ta deuxième faucille. D'accord. Mais pas avec une arbalète. Oui, donc tu me dis pourquoi tu n'utilises pas tes faucilles, ça sert à rien. Bah pourquoi tu n'utilises pas tes faucilles tout court? Ouais. Jamais. Dans l'absolu. Qui sont plus puissantes que ton arbalète. Ah. Oui, et encore, on ne sait pas. Non, mais attends... Bon, allez, à moi, quoi. Je hurle. Voilà, jure, ok. Jure, je crie, je fais... Eh oh! Il y a des affreux! Par ici! Ça, c'est son action bonus. C'est son action bonus. C'est bien, c'est très bien. Mais ouais, c'est bien. Pour attirer l'attention. J'adore. Et alors que... Attract the attention, comme disent les Américains. Alors que tu étais tranquille, Darkna, deux de ces créatures sortent des fourrés. Et C'est de votre punaise, ça t'attaque. Ouais, tout à fait. C'est les mêmes que moi. Et t'attaques. Pas que moi. Ah oui. T'attaques, l'une te touche. Ah. L'autre, t'as le temps, tu l'en poursuis une avec ton bâton, mais qui l'autre profite de l'occasion pour te mordre au pied et t'inflige 5, 6, 7 points de dégâts. À toi. Et en plus, c'est à moi de jouer. Bah, vas-y, ouais. Bah, tonnante, hein. Est-ce que je peux créer un mur de vent
Ça dépend où. Là, c'est Ilzar, ça. Ça. Ouais. Qui ouais. fait comme ça. Ok. C'est-à-dire a... protéger tout le monde. C'est la version Ilzar, de Ozias. Il fait combien de long, ton mur, devant? Il peut faire 15 mètres de long. Oui, alors, on est obligé. 15 mètres, ça fait 10 cases. Donc 10 cases de Ilzar. Il peut faire 15 mètres de long ouais, 1, et 4 mètres 50 de haut. 6, 7, 8, 9, 10. Il peut faire ça. 4, donc 5, je peux 6, faire comme 7, ça. 8, 9, 10. Il va voilà. s'arrêter là. Toi, t'es pas protégé, toi. Ou sinon. C'est ça que je fais. Ok. Fais tes 3D8. Donc attends, parce que du coup, lui, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde et lui, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde. Donc. Oh, 18. J'ai fait 18. 18. Et c'est moitié des dégâts si jamais ils réussissent. Voilà, leur jeu, la moitié seul. S'ils réussissent, la moitié des dégâts, oui. Ok. Ce qui nous fait. 3D8, oui. 18 sur 24. Bien joué. Bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Donc. C'est l'amour. C'est ça. Alors attends. Et ils sont repoussés ou pas? Hors mur devant. Il n'y a pas l'info. Très bien. J'ai pas d'info là-dessus. En fait, c'est quand ils traversent. Chaque créature située dans sa zone doit être. Oui, mais c'est au moment où ils se dressent aussi. Pour ça, je voulais savoir s'ils étaient repoussés hors du mur devant au moment où ils se dressent. Ouais. Si c'est pas marqué, c'est qu'ils y restent. Non, ça n'est pas marqué. Donc, la créature qui avait été blessée par Léowen va s'envoler et s'écraser et se s'ouvrir en deux contre un rocher. D'accord. Les autres semblent plutôt pas mal résister. D'accord. Ils ont absorbé le choc. Tu vois celui-là là, le barbare là qui râle un coup. Il s'est pris 2-3 bouts de pierre dans la tête, mais il tient bon. Et la petite créature ici qui assez contre toute attente réussit à se cramper au sol et à s'écraser au sol pour ne pas subir trop de dégâts. Mais elle est séparée maintenant de moi. Elle est absolument pas séparée, elle est dans le mur là pour le moment. Elle est dans le mur. Elle est toujours. Elle est dedans, ouais. Ouais. Elle est dans le mur, mais d'accord. Okay. En fait, le mur n'empêche pas les gens de passer. Non, c'est juste ça leur fait des dégâts. Passe le mur. Ça fait des dégâts. D'accord. Ils sont dedans, là. D'accord, donc là, ça l'empêche. Et d'ailleurs, du coup, il va falloir que je le matérialise parce que... Ça retarde, en fait. Tac. Et si tu réussis, par contre, tu prends la moitié ou tu prends rien? Tu prends la moitié. Tu prends la moitié. Donc, elle a quand même pris une tac. Moitié de... Ouais, moitié, ouais. Pas totale, quoi. Tac. Il a réussi son tac. Jet de... J'ai mis voilà. Des dégâts aussi, à elle, hein. Donc, c'est quoi, ça? Ça, c'est le mur. Le mur devant? Ouais. D'accord. Darkness est fait. Léowen, à toi. Eh bien... Est-ce que j'ai... Si je descends de l'arbre, quand je suis au pied de l'arbre, du coup, je les vois pas. Non. Tu joues après. Est-ce que je fais mon déplacement... Est-ce que je suis obligé de faire mon déplacement en entier pour les voir? Oui. Non, t'es obligé de te précipiter pour pouvoir descendre de l'arbre et aller les voir. Donc précipiter, c'est mon action. C'est ton action. C'est l'action, précipiter. Ouais. Eh ben, je vais me rapprocher d'eux quand même. Voilà, je me précipite et je me dirige plutôt dans la direction, mais quand même discrètement, moi, je précise, histoire de rester un peu camouflé. Fais-moi un jeu de discrétion, s'il te plaît. Rester camouflé et je me rapproche plutôt de Darkna. Oh, jeu de discrétion, s'il te plaît. C'est... Combien? C'est ton chiffre aujourd'hui. 3, oui. D'accord. Attends, j'ai plus. Ouais, mais je pense pas que t'es plus 12. Il est où? C'est quoi, discrétion? Ah, plus 6 quand même. Ouais, non, 3, 9. Ah ouais, t'as 6 en plus. Pas top. Bah ouais, je suis... Pas top. Je me pète la tronche en descendant. Ozias, à toi. Ouais. Alors évidemment, je ne rappelle pas Ilzar au secours, puisqu'il n'est pas venu m'aider le tour d'avant. Sur mode avion. Non, donc, moi... Là, t'es bon. Je suis bon. Là, t'es sorti. Bon. Tu t'es dégagé. Ah, je me suis enlevé. Oui, tu t'es dégagé. Oui, t'avais dit 2 rounds. Bah oui, je t'ai dit que ça faisait un tour, donc ça fait un tour. Ah, mais oui, d'accord. Donc là, t'es bon. Pardon. Donc là, tu peux... Là, ça sera un terrain difficile, donc ça veut dire que tu vas être à la moitié de ton mouvement si tu bouges, mais t'es bon. Alors, Emoyeni Indica. Et je m'envole justement pour aller me mettre moi dans un arbre en criant à mes potes de se dégager de leur ennemi. Très bien.
Elle a quand même droit à une petite attaque d'opportunité. Ah ouais. Petite baisse. Ah oui. Ah. Et elle touche. Mais non, il y a le mur devant devant. Mais elle est dedans. Ça n'empêche pas d'attaquer. Ah d'accord. En fait, juste, ça leur fait des dégâts quand ils passent le mur. Ah oui, ils peuvent le passer, c'est pas un mur de pierre. Et en fait, elle va te mordre le pied, te cisailler le pied au moment où tu t'envoles. Ouais. Elle t'inflige 7 points de dégâts supplémentaires. Fais-moi un des 20, s'il te plaît. Eh oui, évidemment. Oui. Allez, garçon. Hein. C'est un 18. C'est bien. Ouais, je me suis concentré à droite. Où est-ce que tu t'envoles, en fait? Tu t'envoles alors, juste à l'aplomb ou tu vas... Alors attends, comment t'expliquer? Moi je suis ici, hein. Ouais. Donc moi je m'envole, je vais essayer de venir justement dans un arbre par là. Tu vois, pour pouvoir en fait être passé par-dessus le mur devant. Plutôt là? Ouais, comme ça en fait ça me laisse la possibilité d'être, de pouvoir attaquer de l'autre côté aussi. Ok, et tu as toujours tes petites lumières qui tournent. Ah toujours? Ah oui, ça n'arrête pas ça. Ah non. Ah, reste là toi. Même si j'ai fait un 18 là et mais, tout, bah, je suis hyper concentré. C'est pas le même sort. Ça t'empêche juste d'avoir un deuxième effet secondaire là. J'ai pris le risque. Ce qui est déjà bien. Ouais. Ilzar, à toi. Donc comme Ozias l'a demandé, je me désengage. Ouais, et tu diriges? Et je me dirige sur le chemin. Je m'éloigne de la... Je vais pas aller dans la direction du mur devant. Je me comme dirige ça. Là. Tac. Et en brandissant Nocturno, ouais. Je m'adresse à la créature. Je peux pas avancer plus que ça? Si, si, tu me dis. Bah encore, je m'éloigne vraiment parce que je pense qu'il va y avoir de la boule de feu dans l'air, donc je vais essayer de pas venir me faire griller. 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Voilà, je me mets là. Plutôt, d'ailleurs. Ou 7. Et je peux être un peu plus loin d'elle quand même, de la créature, aucun... Là, ça va être compliqué, là. Non, mais de toute façon, elle va vite. Et donc... En me dégageant et en marchant, je brandis Nocturno, ouais. Comme ça, et je parle à la créature, et je dis, au nom de Nocturno, l'épée d'Onirum, nous venons parler à Théophrase d'Argeline. Voilà, c'est à peu près la réponse de la créature. Qui, ça veut dire à peu près... Qui se retourne vers toi, ça veut dire, je n'ai absolument pas compris ce que tu me disais. Par contre, elle se retourne vers toi. Et tout à coup, tu la vois qui pff, saute. Oh non. Et pff, te retombe dessus. En quoi? Oui. Fais-moi un sujet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Allez, vas-y, là. C'est le moment. Allez, sujet de sauvegarde de force. Oh non, 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 allez. Hein. Sauvegarde de allez. Force. 20. Oh ah. Joli. Tu ne te prendras que la moitié des dégâts. Well, done. Tu te prends 16 points de dégâts, tu réussis à te dégager. En fait, elle va tomber, tu réussis à te dégager, à te mettre sur le côté. Mais ça te, elle te frôle quand même, son espèce de bec te frappe. Bon, 16 points de dégâts, tu sens que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Ouais. Tac, tac, ouais, ça c'est bon. Et du coup, alors... Du coup, notre... alors, celui-là... Non, 1, 2, 3. Celui-là va se diriger là-haut. Lui... se replie dans la forêt. Mmh. Et cette petite créature se replie dans la forêt aussi. Très bien. Galfrin, à toi. J'utilise mes faucilles pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. En direction des deux punaises. Ouais. Oh là là. Donc je les sors. Je peux utiliser les deux. Mmh. Action bonus. Mmh. Et je lance ma première faucille sur la première créature. Mmh. Et la deuxième sur l'autre. Ok. Fais-moi tes jets d'attaque. Donc deux. Avec des avantages, s'il te plaît. Avec toujours dans ton arbre. Non. Non, t'es redescendu? Non, je suis toujours dans mon arbre. T'es toujours dans ton arbre, donc avec des avantages. Oh
Oh, je croyais que t'étais peut-être... Ouais, mais non. Si. Non, si. Non, parce que je peux me tenir au tronc comme ça, d'une main, j'ai assez de dextérité. Tout à fait. Avec des avantages. Bon, d'accord. En trois mots, avec des avantages. Donc tu 14. 4 des avec des avantages. 14 et combien? 14. Ok. Veux lequel, hein? La première passe. 14 ou 14? Ça, c'est la première attaque. D'accord. Et la deuxième? Alors, attends, on est d'accord qu'on est sur un 14 plus 8? Oui, oui. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit la première passe. D'accord, donc la première faucille passe. Mm-hmm. C'était un 1. Oh là là. C'était un 6. Non, c'était pas un 1. Non, c'était 7 et 6. C'était 7 et 6. C'est 7 et 6. Ouais, 7 et 6. 7 et 6, donc je prends 6. 6, je rajoute 8. Ça nous fait quand même 14. 14. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Attends, attends. Oui, ok. C'est 14 pour les. C'est 14. Les punaises. Ouais, c'est 14. Ah oui, attends, excuse-moi, je suis désolé, mais cette paire de faucilles. Armes courantes, quand elles sont manipulées ensemble, offrent un bonus de plus 1 au toucher et aux dégâts. Donc, oui. Ouais, mais donc, ça change rien. Touche. Ça touche, donc. D'accord, ok. Tu pourras pas plus toucher que toucher. Je retouche. Tu vois. Et est-ce donc, que fais tes dégâts. Et est-ce que j'ai le droit d'appliquer. C'est que sur la palette que je peux attaquer. Non, sur toutes mes armes attaquent. Toutes tes armes, sauf que tu ne peux le faire qu'une fois par tour. Donc sur une des deux faucilles. D'accord, donc sur la première faucille, on envoie donc un des 8. Un des 8 sur la première. Ouais. Bon d'accord, 2, plus 5, 7. Ouais. Attends. Attends, putain. On a dit combien? 2, plus 5, 7, plus 1, 8. Ouais. En attaque sournoise. Ouais. Et là. Donc, donc 3D6. Ça n'a pas changé. 3D. Donc ça lance tous tes dés en même temps en fait. Plus 3D6. C'est plus simple. Alors, 2 et 5, 7. Mm-hmm. Merde, oh, jute. Allez. Plus 6. Ok. Donc 13 plus 8, c'est ça? Ouais. Et la deuxième faucille? Et la deuxième faucille. C'est juste un des 8 plus. Plus 5. Tu vas y arriver, c'est pas grave. Un des 8 plus 5. Respire. 2 et 5. 7 et 1. 8. T'as 5 en plus 5 en dextérité? Bah, c'est un des 8 plus 5. Oui, parce qu'il est déjà compté dedans. Sur ta fiche, j'ai déjà mis le dégât de tes faucilles, avec le bonus de dégâts et le bonus à l'attaque. Bah, tu m'as remarqué un des 8 plus 5. Oui, parce que t'as plus 4 en dextérité, plus 5 grâce à ton arme, donc un des 8 plus 5. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Donc tout 2... est compté dedans. Donc c'est 2 plus 5, 7. 2 plus 5, 7. Mais là, plus 1. Non, le plus 1 est déjà compté dans les statistiques. Oui, oui, ah c'est bon, déjà compté. Sûr. Oui, oui, si, si. Sûr et certain. Si. Oui, oui. C'est lui qui a fait la fiche. 100%. 100% sûr. J'écris le jeu. Je vous le fais, pour tous. Donc là, voilà. J'ai 100%. Sur la première et sur la deuxième. Tes deux faucilles vont se planter l'une dans une des créatures, l'autre dans l'autre. La première va se planter dedans. La créature n'est pas morte, elle bouge encore, mais la faucille est restée plantée. Et tu sens que elle commence un peu à vaciller. La deuxième, c'est un peu plus, c'est un petit peu plus léger. Tu vas lui ouvrir légèrement la carapace, mais la faucille va se planter dans le sol, juste à côté. D'accord. Okay. Déplacement tout court. Action bonus, c'est déjà fait. Oui. La deuxième faucille. Oui, on est d'accord. Oui. Pas de problème, pas de problème. Donc, j'utilise réaction pour rappeler mes faucilles. Ouais. Un point de sorcellerie. Tout à fait. Ouais. Là, et je fais revenir les deux. Est-ce que par hasard, en se décrochant la première faucille, aggrave. Non, non, non. Elles sont toujours devant moi. Elles sont toujours devant toi. Il y en a une qui est vraiment en sale état. Mais pas l'autre. Mais l'autre, ça va encore. J'ai rappelé les deux et je reste dans mon arbre. Donc, je récupère mes faucilles. Voilà. Très bien. Ok, c'est noté. Du coup, les deux créatures, ne sachant pas qui les a attaquées et n'ayant qu'une cible à portée, décident bien évidemment d'attaquer Darknar. L'une d'elles, celle qui est mal en point, n'arrive pas à te toucher. Elle vacille, elle essaye de te choper le pied, de se cisailler le pied, mais tu lui envoies un petit coup pour la repousser. Par contre, la deuxième, elle, sans aucun problème, te touche. T'infligeant 7 points de dégâts. Ouais. Et elle te cisaille bien la jambe. Là, tu sens que ça te fait bien mal, quoi. Ok. Et ben justement, Darkna. Ben je suis pas au sol. Hein. Elle m'a touché la jambe, mais je suis pas au sol. Absolument. Du coup, je vais utiliser mon sort d'enchevêtrement.
C'est un jet de sauvegarde de force. T'es liane. Sorte du sol, lance-moi un des 20 s'il te plaît. Téliane sorte du sol, elle commence à enserrer les deux créatures. Il y en a une qui coupe Céliane, mais celle qui est mal en point, elle se laisse complètement avoir et se retrouve bloquée. C'est pas combien ? 16. C'est bien. Alors, 19. Non, pas plus. Il n'y a pas de plus sur ça. Il n'y a aucun plus. Il n'y a pas de mode sur celui-là. C'est moi qui mets les plus en fait, mais ça dépend de. Non, parce que comme souvent, ils oublient leurs attaques magiques, les totos. Léouen, à toi. Alors, du coup, je vois que Darkna, elle s'en sort plutôt pas trop mal avec ses verrues. Punaise. Je t'avais dit de pas en parler. Donc, on est d'accord que celui qui s'approche, il est en train d'avancer vers elle. Ouais. D'accord. Et ben, du coup, moi, je vais attaquer lui avec mes deux attaques. Maintenant que je suis au sol, j'ai plus de désavantage. Tout à fait. Donc, je fais mes deux attaques. Tu as même l'avantage sur lui. J'ai l'avantage. 20 critiques sur ma première attaque avec mes flèches en réaction. Je croyais que tu fallait le dire. Non, avant. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Alors attends, du coup, ça fait mon critique. Attends, j'ai dit. Ça fait 4d8. Ça fait 4d8 plus. Plus 2 fois 3 du coup. Non. Non. Bon, c'est que les dés qui doublent. 4d8 plus 3. Allez, compte. Alors, 6. 11, et 10. 16. Non. Ah oui, si c'est 10, 16. Ah oui, 16 plus 3, 19. 19. 19 sur ma première attaque. Ouais. Et donc j'ai toujours un avantage. Et ben 6 plus 10, 16. Ça touche. Allez, donc là, par contre, j'ai que. 1 des 8. Non, 2 du coup. Ah bah non, 2. Non. 1 des 8. 1. 1 plus ta dextérité. Plus 3. Donc voilà. 4. Donc on était à 19 et 4, 23. Ok. Voilà. Tes deux flèches vont se planter, ces trois flèches même vont se planter dans le corps de l'homme, de l'humanoïde, qui continue à hurler en avançant. Ozias, à toi. Alors moi, du coup, je suis dans mon arbre. J'essaye de bien me stabiliser sur une branche et je vais armer mon arbalète et viser la punaise qui est face à Darkna. Ok. Celle qui est prisonnière. Ouais. Il y en a une qui s'est libérée qui l'a attaquée. Non mais celle qui est prisonnière peut aussi l'attaquer. Hein. Elles ont pris cher toutes les deux quand même. Il y en a une qui a pris très cher, il y en a une qui a et pris et l'autre qui est encore en vie. Celle qui a pris cher. Ok. Qu'elle prenne encore plus cher, frère. Oui. Ah, super. C'est un 8 et 4, ça fait 12. C'est une attaque magique que tu me fais, là ? Non, c'est à l'arbalète. C'est à l'arbalète ? Oui, je t'ai dit. Bah, c'est avec l'avantage. Ah, avec l'avantage. Alors, j'ai dit quoi, là ? 8, donc un deuxième. 12. Un 10 et 4, ça fait 14. Ça touche. Ça touche ! On fait tes dégâts. C'est 1 des 8 plus 1. Bah, exactement. Allez. C'est tout ? Oui ! 8, c'est un 9. Et tu vas enfoncer ton carreau d'arbalète dans la petite créature. Merci, qui frère. Finit de gigoter. Ok. Et qui s'arrête. Elle éclabousse sur Darkna. Est-ce que tu fais autre chose ? Est-ce que tu le déplaces ? Est-ce que... Non, j'essaie de pas me mettre à vue. D'accord. Par rapport aux autres, mais non, mais assis, ouais, parce que j'ai toujours ces lumières là. T'as toujours ces lumières, ouais. Et t'es à vue de toute façon. Ouais, bon, bah, je peux pas faire grand chose. En tout cas, j'essaye de me stabiliser le plus possible sur une branche, de pas être en équilibre, de pas être pendu, voilà. Le mec, c'est un parc d'attractions. D'être vraiment c'est ça. Adossé au tronc sur la branche et comme ça, voilà. Il y a plein d'orques dans les alentours, ouais. Qui ont vu, qui se disent là-bas, il y a une boîte de nuit. Ah, il y a un truc qui se passe là-bas. Allez, les gars, go, on y va. J'aime tout ce que ça. Ilzar, que fais-tu ? Je les vois trop arriver comme ça. Je me désengage. Encore ? Encore. Ouais. Ouais, et tu vas où ?
et je continue à avancer sur le chemin. 2, 3, 4, 5, 6. Je sais qu'elle va te rattraper. Tu fais autre chose? Il te reste une action bonus, donc il me reste une action bonus. Je vais lancer bouclier de la foi sur moi. Donc j'active bouclier de la foi en action bonus. Yes. Ça passe à 19. Eh ben très bien. Ouais, c'est une très bonne idée. J'ai lancé un sort bouclier de la foi et il faut faire 19 maintenant pour me toucher. D'accord. Et la créature, elle, ne va pas te suivre. Ah, non. Elle va voir Macumba. Juste Julien, j'ai oublié de préciser, mais l'enchevêtrement, c'est un sort de concentration. Donc c'est-à-dire le mur devant n'existe plus. Donc le mur devant est out. Tu as raison, effectivement. Hop. Ah oui, le mur devant qui disparaît. Et oui. On a des joueurs honnêtes à cette table. Ah, c'est bien, très bien. Bravo. Des joueurs. Ah non, mais si tu te sens visé, attends, j'ai rien dit d'autre. Hop. Rends tes objets magiques. Vous faites une émission géniale. Oh, c'est sur moi? Ouais. Oh, elle essaie de détourner, t'as vu ou pas? Elle essaie de détourner le truc, elle était là. Oui, parce que moi... Alors qu'elle s'approche, tu la vois qui se met à courir, même chose, tu vois les arbres qui... Enfin, les arbustes qui sont écrasés par ses pattes énormes. Elle s'approche, elle hurle. Saute, fais-moi un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Cette attaque toute pourrie. Ça s'appelle gros câlin. Ça s'appelle très gros câlin de la bête. Tu m'as dit un jet de force. Ouais, sauvegarde de force. Je pense que c'est la même chose pour... Combien? Bah 1. F-U-M-B-L-E. Plus 4 de sauvegarde de force. Non, non. Ah, je peux te dire que le câlin de Tata Josiane, il va faire mal. C'est Tata Josiane. C'est cette tante là qui arrive et qui prend les joues. Ah, ça fait longtemps que c'est pas vu. Et toi, t'as perdu toute sensibilité après là. Et t'as perdu des mollets. Qu'est-ce qu'elle a des poils au menton. Et alors qu'elle elle retombe sur toi, tu n'arrives pas en fait, tu n'arrives absolument pas à t'écarter à temps. T'arrives pas à résister, tu te retrouves à terre, ses quatre pattes qui t'écrasent. Tu te prends 30 points de dégâts. Oh fuck. Et je vomis. Et tu vomis un coup, effectivement. Allez, Oli. Et tu es à terre sous la créature. Hop. C'est drôle parce que tu sais, elle perd 30 points, mais il lui en reste plus que moi. Moi, si je perds 30 points, concrètement, je suis le mec et voilà. Elle perd 30, elle fait c'est bon, j'ai encore le double. Allez, gros bisous. Du coup, lui continue à courir. Ça marche toujours quand je fais cale. Et va, puisque tu es sous la créature, ah ouais. Il va en rajouter une couche. Oui, il va en rajouter une couche. Et en hurlant, il te frappe avec l'avantage, puisque tu es à terre. Il te touche. Il a droit à deux attaques, lui. Hein? Il a deux attaques. Gros câlin. Et... C'est le big guy, il a quitté. Le barbare. C'est mais pourquoi tu t'acharnes sur elle comme ça? Parce qu'il l'a dit. Ah, je l'ai dit. Parce que je l'ai dit avant. Parce qu'il l'a dit avant qu'on commence à tourner. Il a dit aujourd'hui, c'est pour non, parce qu'il, parce qu'il y a une raison. Une cohérence dramatique. Et tu subis 5 points de dégâts. Vicieux derrière ces petits fenêtres. Même pas mal. Ouais, ouais, fais la fière, toi. Parce qu'on a coup de massue, elle va rien comprendre. En même temps, elle a 3 potions. Hein. Ouais, mais bon. J'ai encore mes là, pour l'instant, pour les attraper, c'est potions, 3 points de destin. Elle est sous la créature. Elle est sous la créature. C'est un demi-dieu, là. Je peux lui faire des gratouillis sous le vent. Et Galfrine, à toi. C'est pas Ilzar? Non, Ilzar a joué juste avant, donc c'est Galfrine, à toi. Ah oui, d'accord. Je décide d'attaquer notre ami Gros Câlin. Ouais. Alors j'ai une petite question. Ouais. J'ai une petite question au passage. Ouais. Est-ce que je peux. Comme il n'y a pas de carte là-dessus, je sais jamais où je le mets. Le poison naturel, est-ce que je peux le faire sur mes faucilles? Oui, bien sûr. Mais ça va me prendre une action. Ça dépend, c'est marqué. Poison naturel, durée, perso, concentration, jusqu'à une minute, V si tu touches, hein. Invocation de niveau. Juste vérifier. Excusez-nous. De regard de Mika sur temps d'incantation, si c'est une action. Une action bonus. Une action bonus. Ah, c'est action bonus. Ouais.
Oui, donc ça prend pas ton action. Ouais, mais ça veut dire qu'il peut pas faire son deuxième, sa deuxième c'est faucille. Mon deuxième jet de faucille. Mais bon, ta faucille sera quand même plus efficace que... Que l'arbalète. Bon. Même... Elle touche mieux, elle fait plus de dégâts. Bon alors, c'est parti, faucille sur gros câlin. Ok. Donc, avec des avantages, parce que je suis toujours dans mon arbre. Ouais. Donc, première, 15. Bon, bah dommage, hein, ça sera un 9 sur la première, plus 8, ça nous fait 17. Ça touche tout juste. 17, mais j'ai pas... Et tu peux pas faire ta seconde faucille, puisque t'as fait poisson naturel. Non, j'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait. Non, non. D'accord. C'est 17, mais on est d'accord que sur mon jet d'attaque, j'ai quand même... Là, c'est pas intégré. C'est normalement, c'est aussi compté. Ah, c'est d'accord, ok. Plus 8, en fait, c'est pour ça qu'il est à plus 1 de, par rapport à ta, donc, ton arbalète. On récapitule, plus 8 plus 9, 17, ça touche. Ça touche. 17, deuxième faucille. Ouais. 13, 3. Là, ça ne touchera pas. D'accord, donc... Ta deuxième faucille va se planter à côté. Mais la première réussit à toucher la créature. Ok. Tu peux faire ton attaque sournoise si tu le désires. Donc effectivement, attaque sournoise. Donc là, nous sommes sur un D8 plus 5, on est d'accord? Yes. Pour la première, hein, sur la première. Ça fait 3 et 5, 8. Ouais. Attaque sournoise, 3D6, 8. 3 et 2, 5. 5 et 8, 13. 13, plus 2. 15. 15. Ok. Ta faucille va... Alors, ta faucille va racler, en fait, l'espèce d'armure là, de la créature. Tu vois que ça commence à la fendre, mais c'est pas suffisant pour lui infliger un coup fatal. Son dos semble être fait de plaques aussi solides que du métal, quoi. C'est impressionnant. D'accord. Ok. Attends, j'ai pas... Pardon. On peut avoir l'info, on était sur un truc, il s'est passé quoi avec les fossiles? Non, il a fait 15 et grosso modo, ça lui a raclé le dos, mais c'est pas non plus... voilà. Ok. Son dos... C'est-à-dire ça touche, ça fait 15. Ça fait 15 dégâts, mais ça... c'est pas le truc... Ça crée une espèce de déraflure sur le... Il a rayé la carrosserie, quoi. Ouais, il a rayé la carrosserie, quoi. Mais ce que je disais, ces écailles, en fait, ces espèces d'énormes plaques sur le dos, semblent être aussi épaisses et solides que du métal. Ok, donc... Action, réaction. Ouais. Plus réaction, je rappelle mes faucilles. Ok. Ça et elles reviennent. Voilà. Et je reste toujours dans mon arbre. Tu restes dans ton arbre. La petite chose restante va quand même essayer d'attaquer Darkna, parce qu'elle est toujours au corps à corps, et elle ne touche pas. T'arrives à lui donner un coup de bâton pour l'éloigner. La petite chose enchevêtrée? Ouais. Oui, bah elle peut attaquer. Ah, tu peux comment faire comme ça? Bien sûr. Ah, d'accord. Et puis elle a réussi sa sauvegarde de force. Ah, d'accord. Darkna, à toi. Bah, je me transforme en oxydeur. Ok. J'utilise mes deux points de métamorphose. Attention, c'est pas du métal. Hein. J'ai dit que c'est aussi solide que du métal, mais c'est pas du métal. Ah, espèce d'exosquelette. Tout ce que je veux faire. Voilà. Oui, parce que j'ai bien senti que... Donc, je peux pas te prévenir. J'ai bien senti, oui, tu fais bien. Que c'était une confusion dans la description. Léoen est dessous la créature. Ouais. Donc en fait, elle est complètement cachée. Et... Elle est écrasée. Et donc si... si je touche la bête, elle n'est pas touchée par quelque chose, Léoen. Elle est cachée dessous. Ou faut faire un échec critique. C'est un risque à prendre. J'ai envie d'essayer la tempête de grêle avec mon bâton. Ah, elle sera dessous. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'elle, c'est une zone en fait, la tempête de grêle. Oui. Donc elle sera dedans et donc elle prendra. Elle est protégée par la créature qui est sur elle. Né, né, né. Né, 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 né. Que fais-tu? J'envoie ma javeline de foudre juste à côté d'elle, mais je balance ma javeline de foudre directement sur elle. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. 2. Tu... 2 plus... 2 plus... C'est plus mon attaque magique? Non, plus ton attaque tout court de javeline. 2 plus 4. 2 plus 4, 6. Ouais, tu vas essayer de frapper avec ta javeline. En fait, c'est juste que t'arrives pas à frapper, donc du coup, elle s'active même pas. T'essayes de la planter, mais ça fait juste boink. Donc ça veut dire que je l'ai toujours ou ouais, tu l'as toujours. D'accord, tu l'as toujours. Très bien. Darkna, Léoen, à toi, que fais-tu? Je peux pas me déplacer, j'ai fait une action. Ah, tu peux te déplacer, mais tu risques de prendre une attaque d'opportunité. Ouais, voilà. Trois attaques d'opportunité. Ah ouais. Bon, au prochain tour, quoi. Bah, je reste là, je suis.
Alors moi, je suis complètement sous la chose là. Oui. Je peux quand même bouger un petit peu ou pas du tout? Tu peux essayer de te relever si tu le désires et de te retrouver donc à l'extérieur, oui. En fait, déjà, je regarde comment c'est fichu en dessous. J'essaie de regarder vraiment s'il y a des brèches, des trucs sous le métal. Tu prends ton action pour le faire ou pas? Non, je prends pas mon action pour le faire parce que je veux savoir si je peux. C'est un gros ventre. Difficile à dire de comment c'est fichu, y a pas de brèche. T'as pas le temps de regarder, elle est en train de bouger, elle est en train de piétiner, donc un peu compliqué à dire. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai suffisamment de... Ah mais non, mais... Mais moi j'ai rien sur moi. Je les ai pas mes potions sur moi. Non, tu les as pas tes potions sur toi. Mon action alors c'est que je me désengage, je me barre et je me m'éloigne le plus loin possible. Ah, tu pourras t'éloigner jusque là. D'accord, je suis à portée de personne là du coup. Non, t'es même sera plutôt là parce que sinon tu vas être façon d'enchevêtrement. D'accord. Gros câlin, il va me rattraper, il va me faire et puis il va me finir. Ouais, parce que j'ai pas géré ça là-bas, excuse-moi. Ah oui, ils sont toujours là-bas, ils font l'apéro. Ouais, ouais. Mais en fait, vous voyez pas en fait ce qui se passe là-bas, mais je l'ai géré petit à petit. Ok. Oui, très paris. Bien. Ils font des paris sur nous. Non, et en fait, alors que tu viens de te dégager, vous entendez un sifflement qui vient des bois. De quel côté? Quelque part dans les bois. Ok. Un peu dur à dire. Et gros câlin est rappelé. Et en fait, ouais, c'est tous. Oh! Décide de repartir. Et vous retrouvez seul. Toi, tu continues à courir. T'arrives ici, tu vois qu'il y en a trois qui sont à terre. Ils ont des espèces d'éclats de bois qui les ont transpercés. Oh. Et lui est contre un rocher, en train de respirer difficilement. Technique de bois? Il est contre un rocher en train de respirer difficilement. Ouais. Je suis près de lui? Bah non, t'es là. Je suis là. Et là, t'as un gouffre. Et là, il y a un gouffre. Et je me demande... Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec crache du sang, enfin la créature crache du sang. De quoi je me mêle? Et s'évanouit. Et quoi? S'évanouit. Et là, donc, on est d'accord que nous, autour de... Il n'y a plus et aucune vous, créature. Ils se sont tous barrés. Et la grosse bête aussi. Elle a été rappelée par un sifflement. Et la suite... Ah! Oh non, j'allais descendre de mon arbre! Yes, merci! Et voilà, c'était un gros combat, dites donc, c'était un énorme combat qui nous a pris beaucoup de temps. Et on vous dit à la semaine prochaine! Yes! Ciao, merci! Salut!